Amen, peuple de Dieu. Amen. Je suis vice-président du côté des papas au siège. Amen. Je me tiens devant vous, c'est pour rendre grâce à tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Comme le frère disait, j'étais champion pour le Ganga. Je partais chez le Ganga jusqu'à l'embarrer chercher. Ma santé, ça n'allait pas. Dans les églises, ça n'allait pas, vraiment. Un jour, je dis à ma femme, je ne partirai plus jamais à l'église. Parce que si vraiment Dieu existe, lui-même viendra me parler pour dire que va dans telle église. Amen. Voilà comment je suis resté dimanche, je faisais mes genoux à la chambre, je commandais, je dis Seigneur, tu n'as plus ta dîme, tu n'as plus les offrandes, tant mieux, ça n'engage que toi-même. Je suis resté vaincu. Dieu va me répondre chez papa Pascal. Amen. À Ovidon, j'habitais à Véa. Papa Pascal, donc, deux nuits, troisième nuit, il ne faisait que banaliser, mais Dieu a dit, il faut aller voir ce monsieur-là parce qu'il m'embête tout. Toi, c'est qui dit, c'est un ordre. Ce jour-là, il vient à Rio, j'étais à la maison, la semaine dit, bon, marche, va vers Rio, quand je vais, je le rencontre. Oh, Victor, viens d'abord. Je viens, je le trouve. Il dit comme, ça va, je lui dis ça va. Il dit, ah, moi je perds, je dis quelque chose, peut-être, je ne sais pas, tu serais d'accord. Je dis quelque chose. Ce qu'on doit écouter, c'est la chose. Ce n'est pas la peur, tu as peur pourquoi? Il dit, non, mais quand je dors, j'ai fait trois fois le songe. On me dit que je t'amène là où je prie. J'ai dit, mon frère. Il dit, quoi? Il commence à t'amener. Tu n'en ne tremble pas. Là, vraiment, c'est vrai, Dieu existe, il a écouté ma prière. Amen. Voilà comment je vais là-bas. Quand j'ai le serviteur, il dit, ah papa, Dieu t'aime beaucoup. Hein. Il a dit que tu partais partout, tu partais dans les églises. Mais tu as abandonné toi-même. Et il est venu vers quelqu'un d'autre pour dire que non, viens, voilà le bon chemin. Amen. Mes frères, cette église, vraiment... Nulle part ailleurs qu'on peut trouver cette église. Et donc, Condé vraiment a fait du bien pour nous ici au Gabon. Donc, quand je rentre à cette église, et puis en ce moment, j'étais en attente de poste d'affectation. Quand je vais, c'était un vendredi, un jeudi, que du matinal, je vois le Bassaboudi, Bassaboudi me papa. Oh, mais bonjour, bien, maman, tu es déjà affecté. J'ai dit non. Il dit si, j'ai dit non. Il dit, tu vas venir témoigner à cette église. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je suis parti. À 15h, je comprends mon téléphone qui sort. Monsieur, communiquez-moi votre numéro, ma fille. Vraiment. Oh, il dit quoi là? On me communique ça. J'ai dit, mais comment? Il dit, non, le DRH, je vais vous raconter, vous tous, vraiment. Quand dès que j'arrive au service, on m'étend la note d'affectation. Voilà. On m'étend la prise de service. Voilà. On attendait à quelqu'un qui vient, vous allez appeler moi pour votre nouveau service. Vraiment. Quand je m'en vais, oh voilà, ceci, désormais, tu vas maintenant travailler. Je vais me cacher ma femme. Je vais me cacher, je dis non, je ne vais pas montrer ça. Ça, c'est la vérité ou bien c'est la fausseté. Vraiment. Et ce dimanche, quand je me suis levé, vraiment, j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux et là, j'ai retrouvé ma paix. Et j'avais toujours des disputes avec ma femme. Je voyais même le serviteur et je dis ah, serviteur, moi je vais le serviteur dit laisse. Si tu as mis sur ton chemin, c'est que c'est toi qui vas la sauver des larmes. Amen. Aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que je suis déjà ici. Amen. À Milo. Amen.